Bienvenue aux informations que nous commençons par ce communiqué. L'état-major général des armées confirme des frappes aériennes dans le secteur de Tizawaten dans la matinée du 25 août 2024. Ces frappes de précision ont visé des objectifs terroristes, auteurs de plusieurs exactions et abus sur les populations civiles, y compris la restriction de la liberté de circulation et la prise de boucliers humains. Ces frappes font suite à la permanence des observations et surveillances aériennes et ont permis de préciser les renseignements. Les évaluations sont en cours. L'état-major général des armées rassure que la zone est sous haute surveillance opérationnelle. En conséquence, les populations civiles sont invitées à rester loin des terroristes et rejoindre les centres et sites sécurisés. L'état-major général des armées rassure que la recherche et la destruction des réfugiés et des complices terroristes continuent.